Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à Sous. Dommage pour la précédente partie, pas moyen d'avoir obtenu ce bonus hein, sur la machine X-Ways Border X-Split, mais une machine à sous que j'ai trouvé très sympa, que je ne voudrais éventuellement pas de vous représenter. Et donc là, je vais vous présenter une autre machine qui m'a été conseillée par un abonné et que je teste pour la première fois, à savoir Merge Up, une machine à sous qui contient des respins en cas de combinaison gagnante. Un peu le même principe que Tiki Fruit, sauf qu'ici, il faut découvrir 4 symboles identiques adjacents pour remporter un respin. Et vous avez le traditionnel bonus free spin représenté par les symboles Scatter. Si on en découvre 4, on remporte des parties gratuites. Donc là, je suis parti pour une balance de 50 € et 8 centimes. C'est la balance restante de la précédente partie de ce casino qui était Too Wild, Too Dice. Ça s'est très bien passé. Je peux mettre 50 € de côté et je vais miser 40 centimes. Objectif, bah, espérer faire un bénéfice car là, depuis deux machines, on n'a pas réussi à en faire. Alors, il y a également l'option d'achat de bonus sur cette machine, mais on ne va pas l'utiliser, tout comme la fonction doublant les chances d'obtenir le bonus qui est de 10 centimes de plus. On verra en cours de partie si je vais l'activer ou pas. Objectif, donc, espérer faire un bénéfice et espérer, bien sûr, avoir le fameux bonus. Allez, c'est parti, let's go pour cette première tentative sur cette machine. Ok, un premier gain déjà. Et donc, le symbole scatter ici, il en faut 4 et non pas 3. Ce qui est le cas sur certaines machines, comme Sweet Bonanza, par exemple. Voilà, une petite découverte sympa. Pas mal, donc ça passe au symbole suivant. Voilà, symbole plus élevé, un cas de gain remporté. Donc, ça c'est intéressant. Machine agréable à jouer avec voilà, une jolie ambiance. Ok, 16 centimes. Donc, on passe au symbole plus élevé. C'est pas mal. Une musique sympa également, donc merci pour cette découverte, quelle que soit l'issue de cette partie, pardon. Okay, on a deux gains ici, ok, ça continue, dommage, ça s'arrête là, 76 centimes, d'accord, pas mal de gains pour l'instant. Pour l'instant, on a vu qu'un seul symbole, mais il en faut 4. Pas évident, forcément. Oh, quel dommage, il en manquait un. Ah, ça aurait été trop beau. Donc, le symbole gagnant s'est transformé en symbole scatter. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement. On peut laisser espérer l'obtenir. Donc, ok, pas trop mal. Ok, 1,92, pas mal. Alors, oui, j'ai appuyé sur un symbole gagnant, voilà, qui détermine le gain concernant le lot. Ok, donc là, c'est gagné. Oui, pas mal, celui-ci. Pas mal. Ah oui, donc, si on a un gain avec ce symbole-là, on a un scatter automatiquement. Donc ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire que c'est le symbole le plus élevé, en fait. Hein. Ok. Pourquoi pas. Pour l'instant, une balance qui se stabilise. Ça, c'est pas mal déjà. Oui, gagné. Oui, ça sera gagné. Ah non, dommage. Mais il y a des gains. 1,68, d'accord. Pas mal encore une fois. Oula, belle ligne là. Ok, bon, bah les gains sont fréquents. Ça, c'est une bonne chose. Ok, 2,08 €, pas mal. C'est un autre solde. Donc un bonus à ce moment-là de la partie, c'est bon à prendre. Oula, c'est gagné. Ok, 1,48, c'est un joli gain. Un 2. Dommage, c'est bien parti. Les cas, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de cette machine, je la trouve très sympa également. Ok,
gagner. Alors, est-ce que ça continue? Oui, donc là, il y a un symbole scatter. Voilà, il y a un symbole scatter quand on a un gain avec ce symbole. Donc, si on en a 3 et qu'on a un gain avec ce symbole, on est sûr d'avoir le bonus. Ça, c'est intéressant à savoir. Oui, là, c'est gagné. Donc, il y aura un symbole scatter, j'imagine. Voilà. Ok, 2,20€, pas mal, encore une fois. Partie qui promet. Avec pas mal de suspense, c'est parti comme on les aime. Ah, c'est dommage. Deuxième leurre de la partie. On a un symbole scatter, on en a un deuxième, mais voilà, ça s'arrête là, dommage. C'est qu'on a pas mal de gains, ça limite les pertes quand même. La balance ne descend pas trop, donc ça c'est bien. Oui, bien joué. Oui, c'est gagné. Encore une fois. Dommage. Allez, ce sera bien d'avoir un bonus évidemment, hein, je vous rappelle, qui permet de sauver le solde, voire de faire un bénéfice. On a le bonus. Là il y en a deux, mais ça va être compliqué. Ouais, dommage. Je serais curieux de voir hein, ce que le bonus peut donner, si on allait l'avoir évidemment. Je crois qu'il y a des multiplicateurs, un peu comme Sweet Bonanza. On va avoir lu les règles brièvement avant de débuter cette partie. Ok, deux gains ici. Et ça s'arrête là, dommage. Et oui, toute la difficulté c'est d'en avoir 4 et non pas 3. Ça change pas mal de choses effectivement. La balance qui commence à redescendre. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tenterai pas la fonction? Allez, on sait jamais, on va essayer. Est-ce que ça va fonctionner, c'est toute la question. Bon, pour 10 centimes de plus, c'est pas beaucoup plus, hein. Tiens, on se met dans le jeu, c'est méchant. Ok, pas mal de speed perdant là. Quelques temps, dommage. Souvent, voilà, des débuts de partie difficiles. Les bonus sont rares en début de partie quand même, dans l'ensemble. Désactiver la fonction, on va repasser sur des mises de 40 centimes, sait-on jamais. Je l'active assez rarement et on arrive à avoir le bonus hein, sur certaines machines qui proposent cette fonction sans l'activer, donc on va voir. Je reste confiant. Pas qu'il tarde bien sûr. Pas eu beaucoup d'occasions hein, pour l'instant. Ok, les gains qui s'enchaînent.
semaines et ça s'arrête là, 88 centimes. Bon. Pas mal de gains inférieurs à la mise quand même. Allez, encore du solde, même si on est déjà rendu à la moitié du solde quand même. Ah, joli setup, mais bon, 1,72 au total, ouais, c'est pas faramineux non plus. Je vous rappelle, hein, une partie n'est jamais terminée tant que le dernier spin n'est pas joué. C'est encore possible. J'ai connu des retournements de situation bien pires que celui-ci. Ah bah il en manque un, naturellement, le leurre habituel, dommage. Ah là on a une petite chance, mais ça va être compliqué quand même, ouais, dommage. Attention quand même. Bon, le bénéfice est mis de côté quand même, mais bon, c'est jamais agréable de reperdre, bien sûr. Au mieux hein, pour l'instant, on n'a pas eu de plus gros gain, on n'a pas eu de big win pour l'instant. Donc on compte vraiment sur le bonus. Ouais, ça va être compliqué. Moins d'un miracle. Aussi. Voilà, c'est un bon skater pour faire joli. Un deuxième. Dommage. Si on avait plusieurs combinaisons gagnantes avec ce symbole, ça peut espérer déclencher le bonus, mais c'est loin d'être évident. Ok, 3 gains ici. Est-ce que ça continue? Oui. Ok, 52 centimes. Pas facile cette machine, visiblement. Symbole skater, voilà. Ok, il y en a deux, mais pas de gain. Petit ralentissement dans le jeu. Allez, on va tenter le tout pour le tout, pour 10 centimes de plus. On va revoir ce que ça va donner, peut-être avec un peu de chance. Peut-être pas chaud au bon moment, hein, tout simplement. Oui, c'est gagné. Ok, ça enchaîne. D'accord, ah, un deuxième skater. Il en manque 2. Et ça s'arrête là. Ok, 3,44. Bah, c'est mon plus gros gain pour l'instant. Allez, on redésactive la fonction.
joue yo-yo. Genre, on ne peut pas réellement savoir si les chances sont doublées. En principe, oui, mais pas trop confirmé. Alors, miracle ou pas, ça va être compliqué quand même. Hein. S'effondre maintenant. Pas très loin de la banqueroute. C'est vrai, il y a des avalanches de gains, mais c'est pas suffisant pour espérer revenir. Pause bonus. Ah bah tiens, on a un bonus, je pense. Oui, on a un bonus. Oh là là, incroyable. En fin de partie, comme d'habitude. Des scénarios qui se répètent. Hein, c'est dingue. Donc on a remporté 15 free spins et en plus, voilà, on l'a eu sans activer la fonction, c'est dire que tout est possible, on peut revenir, bah on va voir, hein. Bon bah c'était ça très bien, il y aura des multiplicateurs il me semble, je crois, hein. Les petits bonanza qui sont indiqués en bas, et il reste, donc ça c'est intéressant, allez on a quand même 15 spins, c'est pas mal, attention quand même. Oulala, il y a énormément de spins perdants. Que se passe-t-il? Oh non. J'espère pas que ce sera un petit bonus quand même. Ce serait dommage. Allez, qui sait? Fin de partie, voilà, ça multiplie. Ça peut être intéressant. Et là, il reste 2 spins. Attention, dernier spin. Oulala. Ouais, c'est un petit bonus, je pense. Malheureusement, ça va être bien dommage. Ouais, 10 fois la mise, ouais, c'est un tout petit bonus, bah, c'est dommage, franchement c'est dommage, j'aurais espéré revenir, mais là, on en est loin, mais on va continuer, voilà, maintenant vu le solde, on va essayer de chercher un deuxième bonus, hein, mais là, pas garanti, hein, pas garanti, ah, j'espérais revenir, mais non, la machine en a décidé autrement, allez, c'est reparti. Pour la fonction de l'échéance. Voilà, il y a un petit ralentissement dans le jeu, bon c'est pas trop gênant pour l'instant, faut pas que ça dure hein, évidemment. Belle partie, mais voilà. Pas revenu. Un problème de connexion visiblement, donc ça va pas trop gênant pour la fin de la partie. Euros de solde là, très compliqué. Allez, on redésactive la fonction et on continue avec 10 euros de solde. Alors, voyons voir, 10 euros de solde, c'est peu hein, quand même. Et là, ouais, là, la machine commence à rencontrer des problèmes de connexion. Ouais, c'est de plus en plus long avec le message chargement qui s'affiche. Bon, c'est pas trop grave pour l'instant. Mais bon, vu l'état du solde, la partie devrait bientôt se terminer. Comme quoi, hein. Des fois, ça peut être dangereux les achats de bonus, surtout quand on a eu un bonus comme celui-ci, malheureusement, très peu payant. Bon, 8,60 là. Encore plus cruel, c'est d'avoir un bonus qui soit aussi peu payant. Mais voilà, on va prier pour l'avoir. Mais bon, là, je crois plus trop maintenant. Une partie qui a duré assez longtemps quand même. Hein. On aura tenu le coup. Alors 6 euros de solde là, ouais, ça se confirme. On a joué pendant 20 minutes quand même, hein. Pas rien. C'est dommage. On a eu
des petits bonus hein, récemment, là, depuis la partie des trois mousquetaires, là. La chance nous a quitté un peu. Symbole bonus, d'accord. Bon, là, il en manque deux. Je crois pas trop. Ouais. Très compliqué de revenir, oui, hein, ça. C'est miraculeux. Ah, un deuxième symbole skater, mais on ne peut pas continuer. Oui, là c'est gagné. Ah, dommage, on ne peut pas continuer. Pas évident. Oh bah on a un bonus, j'y crois pas. Hop, c'est pas possible. Ah bah là franchement, wow, c'est énorme. Qui aurait cru ça? C'est venu d'un coup en plus. 15 free spins, 2,96€ de sol, mais c'est fou. C'est incroyable quand même, hein. Des scénarios souvent en fin de balance. Mais là franchement, c'était sur le fil. Comme quoi, hein, varier les mises c'est important. Parce que là, on aura activé la fonction dès le début. C'était déjà fini. Bon bah là maintenant, hein. Il n'y a plus le choix, il faut qu'il rapporte. Ok, c'est un meilleur départ déjà. On va avoir un autre bonus également. Allez, ça continue, il y a un par 16 là, c'est pas mal. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de spins perdants, c'est pas évident. Ok, ah voilà, c'est pas mal. Ah, intéressant, là ils sont bien placés, ah bah voilà. Beaucoup mieux. Ok, oulala, c'est intéressant. Ah, on a un big win. Alors, j'ai pas fait attention au gain. Mais voilà. Ah, voilà, 13,92. Ok, ça c'est cool. Et puis regardez les multiplicateurs. 64 fois. Oulala, là ça promet. 128 fois. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas qu'on va revenir. Non, j'y crois pas. Je viens de voir le gain là. 26€. 26,32, c'est pas vrai. On est quasiment revenu à notre solde et on peut le dépasser. Allez, il faut vraiment viser les bonnes cases, les cases de multiplicateur, parce que là il y en a partout. Ça risque d'être énorme si on a un gain. Ouh, on devrait y avoir un autre bonus. Allez, oui, par 72, très bien. Ok, alors je retiens mon souffle. D'accord, pas mal. Allez, dernier spin. Et on a remporté 53€. Oh non, c'est pas possible, c'est dingue. Mais c'est dingue. Comment je fais pour revenir à chaque fois dans la partie? Ah non, mais pas de mots, hein. J'ai pas de mots. Bon, on va s'arrêter là, voilà, sur ce bonus de remporter. Bah, qui l'aurait cru? Bah, pas moi, franchement, là. Mais il y a des scénarios qui sont souvent répétitifs en fin de solde. Et en plus, je l'ai dit, en cours de partie, tant que la dernière mise n'est pas jouée, tout est encore possible, mais là, franchement, moi, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas revenir, mais alors, quelle partie? Franchement, quelle partie? Belle machine, en tous les cas. Hein. Moi, j'ai bien aimé, hein, même si j'étais amené à perdre. J'ai trouvé très sympa cette machine, donc merci à l'abonné de l'avoir fait découvrir. Et on se retrouve, bah oui, incroyable, pour un réinvestissement de ce solde. Hein, voilà, un bénéfice de 6€. C'est tout simplement incroyable, donc une partie assez extraordinaire, riche en rebondissements comme on les aime. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, là je suis épuisé. Et on se retrouve très vite grâce à cette balance miraculeusement intacte sur une autre machine. Bonne soirée à tous, bye!